Et salut les amis, on se retrouve sur cette vidéo-là. Je vous ai mis le trailer de la Nintendo Switch. Donc on va reparler de certaines informations ici qui me paraît quand même un peu bizarre. Et d'autres infos qui sont officielles puisqu'ils sont disponibles sur Internet maintenant. Il y a les versions disponibles en version CD du coup de No Man's Sky. Donc la version Nintendo Switch, donc version boîte avec la petite cartouche. Qui coûte 49,99€, donc 50€. Et vous avez la version c'est pareil, la version PlayStation 5, donc boîte, version boîte, hein, je parle version boîte parce que version PlayStation 5 elle est déjà disponible, mais pas version boîte. Et elle coûte 49€, donc c'est exactement le même prix pour les deux jeux, bien sûr en physique. Pas en digital parce que digital le jeu bon sur le store digital il coûte le même prix pour PlayStation du moins. Par contre Nintendo Switch pour la version digitale sur le Nintendo eShop ça coûte pas le même prix. Donc il y a même de toute façon il y a pas le prix sont les jeux généralement dans les jeux qu'il y a sur le Nintendo eShop comme PlayStation d'ailleurs. Sauf pour rapport au No Man's Sky, c'est vrai que le prix est exactement pareil. Ça coûte 49€ généralement. Le jeu coûte 49€ sur le store. Et là, pareil, en boîte, ça coûte 49€. Donc ça va pour la version PlayStation. Mais c'est vrai que pour la version Switch, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc là, on a parlé des prix. Donc de toute façon, je vous mettrai ça. De toute façon, je vous mettrai le lien dans l'espace des commentaires. Et du coup, et oui. Mais à ce qui paraîtrait, donc là on parle de la version Switch, bon ça c'est PlayStation, on n'a pas besoin d'en parler, c'était juste pour la version boîte. Et oui, du coup pour la version Switch, à ce qui paraîtrait, bon moi j'y crois pas trop, ça me paraît quand même bizarre. Et oui, pas de multijoueur pour la version Nintendo Switch. Alors est-ce que vous y croyez vous? Moi j'y crois pas trop, ça me paraît un peu bizarre leur affaire. Certaines informations, certaines personnes parlent que il n'y a pas de multijoueur sur Nintendo Switch, qu'il va pas avoir de multijoueur sur Nintendo Switch. Moi j'ai du mal à y croire parce qu'il y en a qui disent que ça fonctionne mal le multijoueur sur Nintendo Switch. Alors je ne sais pas du tout comment ils ont fait pour savoir ça parce que, bon, pour savoir ça, bon, peut-être que certaines personnes ont des problèmes, hein, mais moi j'ai la Nintendo Switch depuis le début. Bon, je ne joue pas tous les jours, hein, mais j'y joue de temps en temps à la Nintendo Switch et quand j'y joue. Je veux dire, j'ai aucun problème de Wi-Fi avec ma Nintendo Switch. Hein. Vraiment, j'ai vraiment aucun souci là-dessus, quoi. Vraiment, j'ai aucun problème de connexion. Bon, j'ai la fibre, mais je veux dire, j'ai aucun problème avec la Nintendo Switch, que ce soit avec la Switch. Donc voilà. Donc pour moi, en tout cas, j'ai pas ce problème-là. Je sais pas comment ça se fait que les gens disent qu'ils ont des problèmes par rapport à ça. Moi, en tout cas, pour moi, j'ai pas de problème. Pour en revenir, pas de multijoueur, ça me paraît un peu bizarre parce que c'est vrai que ça serait très, très con de la part des Hello Games de pas mettre de multijoueur dans No Man's Sky pour la Switch. C'est vrai que ça serait très, très con. Et aussi, c'est vrai que bon, les visuels que vous voyez là sur la bonne annonce, ça me paraît un peu bizarre parce que c'est vrai que c'est quand même très, très beau et c'est vrai que la Switch, bon, voilà. C'est pas non plus une bête de course, hein. C'est quand même une console quand même pas mal, mais c'est pas une bête de course, donc ça reste à voir quand même le trailer qui nous montre ici. Voilà, c'est un peu, voilà, j'allais dire putaclic, mais bon, on verra bien ça, on verra. Bon, je pense pas que j'achèterai peut-être la version Switch plus tard, parce que c'est vrai que bah, j'achèterai déjà la version PS5, parce que je joue sur PS5, donc voilà, vous comprendrez. Mais voilà, en tout cas, voilà ce que je voulais dire. Parce que ça fait quand même 49€, donc les deux ça fait 100€, donc voilà ça fait un peu cher. Donc j'achèterai la version Switch plus tard pour tester, et on verra ça. En tout cas n'hésitez pas à commenter, liker tout ça, et me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, si vous pensez que c'est bien ou pas, et ça paraît quand même bizarre toute cette affaire. Je vous dis en courant, ciao, bye bye, n'hésitez pas à la description pour toutes les informations dans la description, ciao, bye bye, bisous.